Salut, salut, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Another Homepage, je suis toujours Nils, et une fois n'est pas coutume, si je me rapproche du micro, ce sera sans doute mieux, une fois n'est pas coutume, ce soir, on va jouer. Salut à toi, Ribo, merci Studio Cyanotype d'être toujours présente, j'espère que vous allez bien, toutes et tous. Salut à toi, Sébastux. Alors, je vous avoue, ces jours-ci ont été pour le moins, on va dire, assez épuisants. Et je me suis dit que j'allais essayer de changer un peu de registre pour ce soir et pour peut-être pour dimanche. L'idée, c'est que c'est la fin de l'année, c'est bientôt les vacances. Donc, on va se changer un petit peu les idées, histoire de varier un peu les plaisirs, en fait. Hein. Hop. J'en ai profité d'ailleurs dans la catégorie changement. Vous remarquerez que la bande son est légèrement différente. Les gens qui me suivent sur le Discord, que vous pouvez suivre, hein, c'est en dessous. Vous pouvez rejoindre les gens sur le Discord. Eh bien en fait, j'ai essayé de regarder un petit peu ce qu'il pouvait y avoir pour changer de musique. Alors déjà d'une changer de musique parce que c'est vrai que c'était un peu souvent la même et aussi parce que j'ai remarqué quelques trucs un peu bêtes, c'est que certains passages sur Twitch, le son avait été retiré. Alors sans que Twitch m'en avertisse en plus, j'avoue que j'aurais apprécié de savoir à quel moment exactement il y a des passages qui sont dont le son est enlevé. Pour que, d'une part, je retire les musiques en question. Pour l'anecdote, donc, les musiques précédentes provenaient tout simplement de la bibliothèque YouTube, où j'avais pourtant spécifié de me prendre de la musique sous licence Creative Commons. c'était un peu dommage. Donc, j'espère que le son va bien pour tout le monde. Je vais peut-être monter un petit peu le son de la musique. Hop. Et vous me direz si c'est assez fort, si c'est pas trop fort, si jamais il faut que je baisse ou pas. Voilou pour, je dirais, pour l'introduction générale pour ce soir. Salut à toi Yoda, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne journée. Tiens, je vais peut-être enlever le foulard, commence un peu à me... Salut à toi Alain B, j'espère que tu vas bien, j'espère que vous avez toutes et tous passé une excellente journée. Hop, allez. Alors, et donc, je pense que vous allez, normalement, vous n'avez pas à vous demander, ah tiens, il y avait ça qui était, d'accord, hop là, vous n'avez pas à vous demander ce sur quoi on va passer la soirée, puisque c'est écrit un peu dans le titre, et on va passer en mode Empire Romain ce soir. Alors, j'ai gardé quand même le bonnet de Noël, parce que bon, c'est quand même un peu décembre, hein. Mais on va quand même passer en ambiance Empire Romain, avec un jeu qui me tient à cœur depuis pas mal d'années, et qui remonte à, je dirais, mes premiers souvenirs d'ordinateur familial, et ce jeu c'est César 3. Pour l'anecdote, ça faisait partie des jeux qui étaient inclus dans le premier ordinateur que j'ai jamais eu. Le premier ordinateur familial, dans les logiciels inclus, il y avait César 3. Et j'ai passé un paquet d'heures dessus, sans forcément être très doué, mais le jeu me plaît quand même. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que... salut à toi, The Tourist. C'est gentil de passer, même si on fait pas d'Ansible ce soir. Merci. Et donc, César 3... c'est un jeu qui m'a toujours c'est un jeu que j'apprécie beaucoup. Je sais pas à quel point ce jeu est célèbre, mais je pense qu'il a quand même une certaine notoriété, surtout que j'ai remarqué qu'il y avait quand même d'autres gens qui jouaient au point que au point d'en faire des vidéos YouTube par exemple. Il y en a un, je crois c'est Gamerzak, qui fait pas mal de jeux de ce style et qui notamment a fait pas mal de vidéos sur César 3. Et puis, si c'est César 3, ça veut dire qu'il y a eu des versions avant, il y en a eu deux avant, et j'ai même remarqué qu'il y avait eu un César 4. Alors, je n'ai joué à aucun autre jeu de la série. Quelque part, j'apprécie tellement César 3 que j'ai pas envie d'essayer autre chose.
Ouais, c'est ça, on va essayer d'automatiser le jeu avec Ansible. Et pour vous donner un ordre d'idée, c'est que je l'ai même acheté, je l'ai même racheté en séparé pour pas avoir à utiliser les CD de l'ordinateur de l'époque. Un autre truc dont j'avais envie de vous parler aussi, c'est que donc ce jeu, donc moi je l'avais retrouvé en version CD donc, mais il est disponible sur GOG, sur Good Old Games, GOG.com, en version donc en version comme chez GOG quoi. On va installer 15 colisées d'un coup. Non, alors le pain et les jeux. J'ai envie de faire une sale blague, mais peut-être qu'on peut demander au Qatar. Ils ont l'air d'être doués pour construire beaucoup de trucs du genre. Bref, c'était peut-être pas forcément une blague très, très drôle. Toujours est-il que le jeu donc, qui est disponible, si jamais vous avez envie d'y jouer sur GOG, je sais pas combien il est, mais il doit pas être trop cher. Mais surtout, et c'est là où les choses peuvent être assez sympas. Si je passe, salut à toi Dino, j'espère que tu vas bien. Si on passe sur un autre, alors attends, il faut peut-être que je vous montre. Est-ce que je peux faire ça? Si je fais ça, ah oui, vous avez directement le hop, on va mettre dans une nouvelle fenêtre. Hop, je vais vous montrer ça. Parce que ça, c'est intéressant. Ça, c'est très intéressant. Puisque ce jeu-là, il est tellement vieux que à l'origine, il est censé tourner sous Windows 95 ou Windows 98. Configuration minimum. Vous allez rire. Pentium 233 MHz. 64 Mo de RAM. 150 mégaoctets de disponibles sur le disque dur, hein, mesdames et messieurs. Hein. On parle d'un jeu, léger. SVGA 65 000 couleurs, lecteur CD-ROM 20X et carte son compatible Windows. Et en fait, je pense que le jeu doit tourner sous Wine, hein, maintenant, depuis le temps, on doit pouvoir lancer le binaire sous Wine. Mais il se trouve que il y a des gens qui se sont dit ce serait quand même pas mal que le jeu soit adapté. À des plateformes beaucoup plus modernes. Et donc, il y a des gens qui ont redéveloppé le jeu en open source et donc disponible sous d'autres OS, comme par exemple Linux et macOS. Et donc, ils l'ont redéveloppé en deux exemplaires. C'est ça qui est fantastique, je devrais peut-être mettre deux exemplaires comme ça. Le premier que vous voyez à l'écran sur GitHub, c'est Julius. Et alors, ce qui est assez chouette, c'est que le jeu souffrait malgré tout de quelques bugs, et ils sont même allés reproduire certains des bugs. Et ce qui est assez fantastique, c'est que si jamais ces bugs-là vous embêtent vraiment... Alors, est-ce que c'est eux qui l'ont fait? Ou est-ce que c'est d'autres gens qui l'ont fait? J'ai pas l'impression... Ouais, ça doit être d'autres. Il y a Julius et il y a aussi Antonius. Antonius. Hop, si je dis pas de bêtises. Non, il est plus? Alors, un autre utilisateur, alors. Hop. Ah, il aurait été sucré. Hop. Alors, dans la mesure où le jeu est encore commercialisé, Dino, je sais pas si je peux vraiment cliquer là-dessus. Hop. Parce que techniquement, le jeu est encore commercialisé sur GOG. Sur GOG.com. Donc, alors, est-ce qu'il y a un lien de téléchargement ou pas là-dessus? Non, hein. J'ai pas l'impression. Il n'y a pas de souci, ça arrive, mais d'ailleurs je me demande si, parce que je vois pas de lien pour le télécharger sur ta page, que je montre pas encore à l'écran, mais toujours est-il que, en plus ils ont dans leurs partenaires, hein, ils ont GOG.com dans les partenaires, donc,
Donc ce serait assez étonnant qu'il... Alors à moins que ce soit une ancienne version qui est... alors on me fait signe qu'il y a le qu'il y a le lien de télé... Ah oui, il y a le lien de téléchargement, effectivement. Ok. Mais oui, effectivement. Oh punaise. Ah oui, il est vraiment pas cher. En plus, il est à même pas 4 euros chez GOG.com d'après eux. Allez, je vous montre la page. Et on a le lien. On a le lien. Ah non, il n'y a pas le lien directement. Prix à titre indicatif. Ah, si ça se trouve, il a changé depuis. Hop. Moins 35. Ah si, il est à 3,89€. Franchement, à ce tarif-là, c'est franchement... C'est franchement cool. Ah, ta femme y jouait et à Pharao aussi. J'y ai pas joué pour le coup à Pharao. Et oui, il est encore en vente, tout à fait. Ouais, enfin après, pour moins de 4€ et en plus sur une boutique qui est plutôt sympa, moi je... Enfin voilà, vu le tarif, honnêtement... Bon, donc toujours est-il que il y a donc le jeu a été redéveloppé pour... pour les OS modernes via des gens indépendants et le jeu donc sous licence libre en plus et en plus voilà ils ont vraiment fait un beau boulot honnêtement parce que le jeu est super, vous allez voir, il tourne plutôt bien. Donc là pour l'instant je l'ai mis en fenêtré, je pense que je vais le laisser en fenêtré pour ce soir. Et on va lancer le truc. Normalement, j'ai coupé la musique du jeu. Donc, j'ose espérer que ça va bien se passer. Et on va faire une nouvelle carrière. Nouveau gouverneur. On va faire Nils. On va faire underscore stream. Nils stream. Si on pouvait zoomer sur la fenêtre. Alors, on va voir. Je vais peut-être le mettre en plein écran ensuite. Parce que pour le moment, on est vraiment en petit. C'est vrai. On va faire stream Nils, tiens, hop, stream Nils. Ouais, ça fait beaucoup de bords noirs, je suis assez d'accord. Continuez. Hop. Ave, citoyens, que votre formation de gouverneur commence. Vous devez d'abord apprendre les bases de la construction d'une colonie romaine. Délimitez des zones d'habitation et vous verrez bientôt des immigrants venir s'installer. Il y a deux moyens simples d'obtenir des informations précieuses sur votre cité. Le premier est de cliquer avec le bouton droit de la souris sur un de vos citoyens. Il vous donnera ainsi son avis sur la cité. Le deuxième est de faire un clic droit sur un de vos bâtiments. Le panneau qui s'affiche alors vous informe sur le fonctionnement de la structure sélectionnée. Il contient également un bouton d'aide au cas où vous désireriez en apprendre plus. Afin de construire une route reliant deux points de la carte, cliquez sur le point de départ. C'est le début, on va peut-être le passer vite. Ok. Est-ce qu'on zoome un peu plus? Est-ce que vous voulez que je passe en plein écran? Parce que si je passe en plein écran, en fait, ce qui va se passer, c'est que... Hop, voilà, on va avoir... Vous allez avoir le jeu derrière vous, là. Ça a l'air de passer. Oui, tout à fait, la première mission est assez simple, Dino, normalement. Donc c'est, ça n'a pas l'air trop moche, ça va. Alors, et on peut même... On peut même augmenter la vitesse. Pour le moment, on va laisser à... Hop, alors. Est-ce que le son du jeu était pas trop fort, j'espère. On va peut-être zoomer un peu. Il y a moyen de zoomer là-dessus. C'était quoi déjà le bouton pour zoomer? Je me rappelle même plus. Ouais, ok. Je me rappelle même plus des contrôles, tellement ça fait longtemps que j'y ai pas joué. Dans les options, on a des options quelque part. Affichage son, aide. C'est une mission assez simple, jusqu'à entendre... Oups, j'ai oublié, tel bâtiment, tout est en train de s'effondrer. Il y a des connaisseurs, a priori. J'aurais dû peut-être essayer de refaire un... Putain, c'est bizarre, je pensais que... Est-ce que j'aurais... Alors, je vais sauver la... Fichier.
sauvegarder. On va l'appeler stream. Hop. Tac. Et on va... Et on va faire... nouvelle partie. Et dans les options... Alors, dans les options... Contrôle du clavier. Et le zoom, il est où? Oh, bah, nana. Il est où, le zoom? Parce que je crois qu'il y a un zoom, hein. Alors, il n'y a pas un zoom quelque part? Attends, j'aurais juré qu'à une époque il y avait des zooms, non? Ok, alors. Ah, mise à l'échelle de l'affichage, non? Taille du curseur. Ouais, j'ai un doute aussi sur le fait qu'il y ait un zoom, mais... Activer le défilement doux, désactiver... Bon, eh ben allons-y, on va reprendre... on va charger la partie, on va reprendre... Il est où mon... Il est où le stream? Stream, tout en bas. Hop, voilà. Allez, on va squeezer 2-3 trucs là... Et on va créer une petite rangée de logements. Voilà. Et éventuellement sur le son, on va peut-être baisser un petit peu le son du jeu. On va faire 90. Hop. Tu t'attendais pas à ce que je fasse un live dessus? Ah! Oh bah, je t'avoue que j'avais envie d'un peu de changer de... Je me changer les idées ce soir. Alors, on est à combien de personnes en termes de population là? On est à 15 et il nous faut 150. On va peut-être leur mettre un puits juste derrière. Voilà. Hop. On va laisser gentiment le jeu se faire tranquillement. Ah, ça y est, premier incendie. Et il nous dit quoi? Qu'il nous faut une préfecture, c'est ça? Voilà. Allez. On va leur faire une petite préfecture. On va la mettre ici. On va attendre que le truc ait fini de brûler. Et hop, et on refait des maisons. Tac, on va en mettre une ici. Bon, on va peut-être rajouter tout de suite d'autres maisons, hein. Ah, faut que je... Ah, effondrement, ça y est. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Bah, il nous dit qu'il va falloir mettre en place un truc de... C'était quoi déjà? Ah oui, c'était les trucs de construction, là. Les études d'ingénieur. Les études d'ingénieur. Allez. Alors déjà, on va faire un petit peu de ménage ici. Hop. Ensuite, il va falloir reconstruire ça. Histoire d'éviter les incendies ensuite. Et ensuite, une étude d'ingénieur. Hop. Qu'on va mettre ici. Et j'ai eu un premier truc. Alors, il faut qu'on regarde ici. Qu'est-ce qui se passe? Manque de main-d'œuvre. Et bien, on va rajouter des bâtiments. Les colons vont peut-être venir. Allez. Ici... Puis on va faire pareil là en face. Alors j'y vais complètement à l'arrache. Hein. Normalement, il y a une stratégie pour bien fabriquer les... pour bien organiser les... comment dire... les quartiers. Hop.
Hop. Tu vas même pouvoir créer hop, un peu de maison par ici. Est-ce qu'on pourrait pas essayer d'aller un petit peu plus vite? Hop, allez. On est à combien? 98 personnes? Bon après c'est exceptionnel, hein. Je pense qu'on va se faire 2-3 lives différents. On va finir l'année sur une note un petit peu différente. Et puis ensuite, on reprendra nos habitudes. Hein. Mais ça fait du bien de changer un petit peu, moi ça me fait plaisir. J'espère que vous aussi. Et on est à combien? 102 personnes et pour l'instant il y a toujours rien là. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut construire ou pas? On va peut-être éviter de créer un Sénat tout de suite, parce qu'à mon avis, il va falloir le... Ah oui, alors la blague, comme je suis en... La blague, comme je suis en plein écran, je peux pas, avec la souris, aller ailleurs. Et aller regarder ton lien, Dino. Je peux essayer sur la machine de retour vidéo. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant sur cette playlist YouTube? Si c'est ce que je pense que c'est. Ouais, c'est ça, c'est la playlist de GamerZack. Ouais, je l'ai dans mes liens, celle-ci. Elle fait partie de mes... des playlists enregistrées que j'ai sur YouTube. Alors, incendie dans la cité, ça on l'a vu. Voilà. Mais c'est une excellente playlist. Hein. Si vous aimez jouer à César 3, moi je vous le recommande. Appuie espace. Ah oui, l'espace pour les zones à problème. Bon, bah là c'est bon, il n'y a plus de problème. 73% de chômage. Ok, alors on va peut-être rajouter des... Allez, on va refaire une étude d'ingénieur. On va la poser... On va la poser là plutôt. Et on va refaire aussi une préfecture. Allez. Alors qu'est-ce qu'ils nous racontent les gens quand on... Non. Ah oui, c'est vrai que je suis un peu à 200%. Non plus. Je vais ralentir alors. J'ai de la chance d'avoir un travail. Mais c'est une chose plutôt rare dans cette cité. Ah. Ah bah écoute, si vous voulez du boulot, c'est pas un problème. Je vais vous faire du boulot. Allez. On va rajouter une... Hop. Et... On va rajouter des puits, peut-être un petit peu. Allez, on va mettre là un là. On va en rajouter un ici. Et on va rajouter une étude d'ingénieur là. Et on va mettre quand même quelques maisons. Je pense qu'il va falloir que je rajoute des puits. Hop. Alors, on est toujours à 21% de chômage. Est-ce que... J'en suis où là au niveau de l'argent? Je peux créer tout de suite un Sénat. Ça va être un peu exagéré, mais ça se tente. Hein. Ça se tente. Allez. Allez, on va se faire de la place ici. Et on va poser un Sénat. Et là, normalement, tout de suite, en termes de chômage, on ne devrait plus avoir de soucis. Ah. Et là, il va me dire quoi? Il n'y a pas assez de gens dans la ville. Ah non, satisfaire les dieux. Satisfaire les dieux. Alors, j'ai pas relu. Alors, le manque de main-d'œuvre, ça on l'a vu. Et satisfaire les dieux.
On va pouvoir créer les structures religieuses. Ah bah il y a du monde qui arrive en plus. C'est la fête. Et voilà. Alors pour l'anecdote, je joue en mode quand même ultra facile et j'ai désactivé l'influence des dieux. Alors, eh ben on va accepter la fonctionnaire. Félicitations. Je suis heureux de constater que vous avez compris les rudiments. Merci, merci. Continuons à présent un peu votre éducation. J'ai une nouvelle mission à vous confier. En route pour Brindisium. Eh ben allons-y. C'est où Brindisium d'ailleurs? Alors, vos priorités sont la sécurité, construisez un grenier et stockez le blé. La nourriture et l'eau. Sans logement et sans nourriture, personne ne voudra venir s'installer dans votre cité. Il faut maintenant que vous produisiez de la nourriture. Allez. Oh, sacré... sacré coin. La bonne difficulté, c'est celle qui nous donne du fun. Bah oui, oui, oui. Alors. On va essayer de se faire un peu de place. Comme ça. Et... alors. Je ne sais plus... C'était quoi déjà la stratégie? Je crois qu'on peut faire des carrés de 7... De 7 par 7, non? C'est pas ça? Si je fais ça, tu as pas idée. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hop. Ou 8 par 8. Ouais, mais je vais plutôt faire 7 par 7 pour le moment. Ah, flûte. Ouais. Je vais le tenter en 7 par 7 parce que je crois qu'il y a 7 par 7, 8 par 8 et 9 par 9. Le 7 par 7, il est notamment pratique dans les zones désertiques. Mais, parce que si je regarde pour un puits de mémoire... Voilà, tu vois le puits... Ouais, limite, je pourrais peut-être faire plutôt ça, en fait. Ici, et enlever ça. Et ensuite, coller le puits ici. Le grenier doit être à côté du marché. Ok. Alors, si je dis pas de bêtises, faut que je fasse comme ça. Très tenté de vouloir aller rechercher un instant, mais ce serait un peu dommage, quoi. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tout de suite une rangée de trucs ici, histoire qu'il y ait des gens qui viennent. Et si je dis pas de bêtises, de mémoire, il faut que je fasse un truc comme ça. Comme ça. Et que je mette genre... L'étude d'ingénieur. Les habitations pas trop proches des entrepôts, il me semble, ça les dérange. Ok. Je crois qu'il fallait que je mette une étude d'ingénieur là. Et la préfecture, si je dis pas de bêtises. Genre peut-être ici. Et je dois pouvoir remettre là. Hop. Faut que j'ai donc 1, 2, 3, 4, 5. Ah, j'ai fait 5. Ah oui, donc de 7 par 7. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, j'ai oublié un. Hop. Ça m'embête un peu ce que j'ai fait là. Parce que ça, je suis pas censé l'avoir. Voilà. Bon. Donc déjà, il y a des gens. Ensuite, il y a un raccourci qui me permet de voir les bâtiments. Oui. Et en fait, dans les cartes, tu as les cartes en haut, vous voyez. Alors, bah non, vous voyez pas.
puisque vous avez tout l'overlay qui planque ça, mais en fait en haut à droite il y a des trucs avec notamment les cartes avec les risques, et on va regarder tiens les risques d'incendie, et là on voit que ce bâtiment pourrait éventuellement prendre feu. Voilà. Et en fait, il y a des risques, mais il faut que le mec tourne. Si je prends haut, là on voit que là normalement on est bon. Et qu'est-ce qu'on a d'autre dans les risques, on a la criminalité. Pas de crime à signaler dans ce quartier. Tout va bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans les risques? Les indigènes, mais ça c'est pas. Et les problèmes. Pas de soucis à ce niveau-là. Donc, carte normale. Ok. Alors, ensuite. Coupe les routes de manière à forcer les pompiers à faire des rondes. Ouais, effectivement. Le truc, c'est qu'il faut pas que je coupe la route vers Rome, de mémoire. Et ce qu'on peut peut-être faire dans ce cas-là, c'est peut-être couper ici. Non? Sinon, ils vont trop... marché, ouais. Non, pas ici. Ok. J'étais en train de me dire, il va peut-être falloir aussi fabriquer des... Alors, les fermes de blé, où est-ce qu'on peut les faire? Nulle part, parce que j'ai pas de blé dans le coin. Si, là. Ah, va falloir que je fasse une méga route pour aller vers là, en fait. Va falloir que je fasse une méga route pour aller vers là. Alors, ce qu'on va faire... On va... Hop. Je vais faire une route qui ne mène à rien pour l'instant. Juste le temps de... Hop. On va juste faire une petite route là. On verra après si on la dézingue. Et il va falloir une ferme. Alors, où est-ce qu'on peut la faire le plus proche? Ah, ici. Voilà. Alors maintenant, il va falloir la relier. Et ce que je vais vouloir faire, c'est aussi... on va peut-être refaire une... On va refaire une... Hop, un carré comme ça. Au niveau de l'une des intersections, en attendant que tu construises d'autres habitations. Ah bah, je suis sur le point de les construire, les autres habitations, en fait. Hop. Et je voulais faire... Et je voulais remettre une étude d'ingénieur ici. Et une préfecture là. Là. C'est peut-être pas le meilleur endroit. Et éventuellement, ce que je vais vouloir faire, c'est que je vais vouloir mettre tout de suite... Parce que du chômage, il y en a... je vais mettre tout de suite une étude d'ingénieur là et une préfecture à côté. Voilà. Et ensuite, en termes de maison, et on rajoute des routes. Aussi construire des habitations près des fermes car je manque de main d'œuvre. Oui, effectivement, mais les habitations là, ça va arriver. Hop. Hop. Alors, et on rajoute tout ce petit monde là. C'était peut-être pas une idée du siècle de faire ces maisons là ici. Et une rangée ici.
Voilà. Mais il va falloir stocker, effectivement. Donc, on va faire un grenier. Alors, notre grenier. On avait dit quoi ? Il faut que... Le grenier doit être à côté du marché. Les habitations pas trop proches des entrepôts. Ah. Donc, on peut faire peut-être le grenier ici. Allez, on va le monter ici. Et on va rajouter un marché. Et on va le mettre peut-être... où est-ce qu'on pourrait le mettre, le marché, à votre avis ? Pour le moment, on en est à quoi ? On est à 177 de population. J'ai 31% de chômage quand même, hein. Donc on va peut-être... on va peut-être rajouter... Et on va rajouter une ferme. Et la ferme, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de la caler. Je vais faire un petit... je vais faire un espace entre les deux. Je pense que je vais faire un espace entre les deux pour pouvoir ensuite avoir une route qui aille vers les autres fermes. Et je pense que je vais mettre le marché juste à côté, hein. Expansion de la cité. Maintenant, ajouter des plazas ou jardins pour attirer les gens sans pour autant construire. Oui, c'est une bonne idée. Donc là, on a accès à quoi ? On a accès aux thermes. On a accès aux jardins. Mais avant, j'aimerais bien leur faire un petit marché. Alors, si je le fais ici, je vais peut-être avoir des soucis. Ce serait dommage de me bloquer. Je vais le mettre là, le marché. Remarque, non. Je vais peut-être le mettre ici. Est-ce que j'ai mis un puits ? Oui, il y a des puits. Il y a des puits. Et à la limite, ce que je peux faire, c'est que je peux peut-être même carrément profiter ici. J'ai un point d'eau. Je pourrais peut-être mettre un... Comment dire, un... Mince. Pas un aqueduc, mais un... Est-ce que j'ai... Oui, un réservoir, par exemple. Je pourrais mettre le réservoir ici. Et ensuite, je vais pouvoir faire des trucs. Merci pour le mot, Yoda. Je pourrais éventuellement mettre un réservoir et ensuite... Et ensuite, irriguer tout ça. Est-ce que là, il serait vide ? Est-ce que là, c'est... Ah non, là, il serait déjà vide. Là, il serait vide. Là, il serait plein. On va faire... Alors, avant de faire ça... Puisque là, on a déjà un truc qui est plein. Faut vraiment que je trouve l'endroit où mettre le marché, en fait. Je pense qu'à un moment, je vais arrêter de me poser des questions. Je vais le poser ici, le marché. Voilà. Et on va mettre des petits jardins ici, ici, ici. Hop. Voilà. Tiens, un autre jardin là. On a toujours 42% de chômage. C'est moche. Allez, on va rajouter un grenier. On va le mettre ici. Je voudrais bien essayer de baisser le chômage. Donc, a priori, là, il y a de la place. Là, il y a des gens. Et ben, on va rajouter une route là. Et on va créer d'autres fermes de blé. On peut en mettre une ici et on peut mettre... Dommage, dommage. Allez, on va la mettre là. Et on va construire ce réservoir. Tiens, allez, hop. On va le mettre ici. Ou non, non, on va le mettre ici. Et ensuite, on va peut-être transformer ce puits en fontaine.
Allez. Hop. Et éventuellement, ce que je ferais, c'est que je construirais peut-être un aqueduc pour aller de l'autre côté et mettre un réservoir. On est à quoi? On est à 26% de chômage. C'est pas ouf. C'est pas ouf. Stockage. Il y a encore du stockage. Ok. Qu'est-ce qui se passe si par hasard je construis une route par là? Est-ce que j'ai de la place si je remets un... Si je remets un grenier? Si je le mets... Alors là, on a... Est-ce que ça passerait? Je peux voir... Oui, je peux voir la limite d'arrivée d'eau, tout à fait. Et là, tu peux voir que, par exemple, lui... Ah, il y a peut-être moyen. Alors... Fontaine. Hop, une deuxième fontaine. Par contre, celle-ci, c'est peut-être un peu... ça passera plus. Donc, il faudra que je fasse un aqueduc dans les... faudra que je fasse un aqueduc et que je ramène un autre réservoir par ici. Un 24% de chômage. On a un marché ici. La proximité de cette dernière placée des jardins. Bah oui, mais je l'ai fait. Des statues ou des plazas. Ok. Donc éventuellement, on va peut-être essayer de mettre des trucs un petit peu plus sympas, effectivement. On va peut-être mettre des termes. Ça pourrait être une idée. Alors, remarque, c'est peut-être pas très sympa. Merci d'être passé, The Tourist. Bonne fin de soirée à toi aussi. Des plazas le long des routes. Alors, les plazas, ils sont où? Je les ai pas encore, les plazas, on dirait. Parce que j'ai les routes. Je peux faire des temples. Alors, remarque. Merci beaucoup pour le follow, full twist. Merci à toi. Si tu peux, mets un dispensaire pour éviter les épidémies. Alors, est-ce qu'on a un dispensaire? On a juste les termes pour le moment, vu qu'on est en début de carrière. Éventuellement, ouais, je vais peut-être faire... remarque, j'aurais bien aimé rajouter deux blocs de maison par là. Oh, merci beaucoup pour le sub avec Prime. Merci beaucoup, full twist. C'est très gentil à toi. Ça me fait très plaisir. Alors, full twist, pour l'anecdote, ce soir, c'est un peu exceptionnel, hein. D'habitude, je ne joue pas. D'habitude, je fais plutôt de l'administration système et réseau. Juste histoire de ne pas t'induire en erreur sur ce que je fais d'habitude. Allez, on va mettre des termes. Vendu. On va les coller. On va peut-être faire un petit espace. On sait jamais. Hop là. Alors. Est-ce qu'on rajouterait pas un peu de route ici? Et on va rajouter encore une ferme. Mais je pense qu'à un moment, il va falloir rajouter des maisons. Ah, tu sais, tu me follows sur Twitter et t'as déjà vu... Ok, t'as déjà vu des lives. Oh bah écoute, c'est en... comme ça au moins, c'est génial. Tu es au courant, tu connais la maison. J'ai limite envie de te dire Mikasa et Sukasa, mais je parle pas espagnol à la base. Alors, c'est moche parce que j'ai fait du latin au lycée. Mais je sais même pas si je peux le... Je sais même pas si je pouvais le dire en... Si je pouvais le faire en latin. Ça aurait été drôle, ça. J'ai tout perdu de mon latin, si mes profs de latin le savaient. Oh là là. Tiens, lui, il doit chouiner. Il n'y a plus de place dans la cité pour stocker ses biens. Bon, bah, on va les vendre un peu, ces biens-là. On va peut-être refaire un marché, non? Qu'est-ce que vous en dites? Je rajouterai peut-être une... Tiens, je vais peut-être le mettre... ici. Non, non, parce que le marché... On va le faire tourner, on va le mettre ici, tiens, le marché. Je sais que c'est pas forcément le meilleur endroit, mais... On est à seulement 7% de chômage. C'est plutôt pas mal, ça. On va faire un peu de ménage par ici.
Et on va faire un peu de ménage par là aussi. Alors, je sais qu'il faut que je me... J'aimais bien quand j'étais beaucoup plus jeune. J'aimais bien faire franchement le grand ménage, de virer tous les arbres. Mais en fait, quand on se met à avoir des missions où il faut avoir des commerces qui s'occupent des arbres, genre des trucs pour fabriquer des meubles, tout de suite le manque d'arbres devient problématique. allez, on va rajouter un grenier par ici. Et elle sera pas contente. La vendeuse, tu vas la faire marcher. Oui, c'est vrai, je vais la faire marcher, la vendeuse. C'est un peu embêtant. Chômage 4%. Eh, mais c'est que ça se passerait bien. Hein. Alors, je voulais regarder la carte des eaux. Voilà. Pour aller commencer à mettre en place des aqueducs et surtout un réservoir. Si je mets un réservoir, si je le colle là à peu près, à la limite, je peux peut-être même le mettre là. Comme ça, il prend bien toute la zone. Voilà, là, il prend bien toute la zone. Et après, j'essaierai d'en mettre un de l'autre côté. Je vais pas dire en face parce qu'il y a des cailloux. Mais ici, ça me paraît pas mal. Et ensuite, je vais raser encore quelques arbres et mettre un aqueduc. Voilà, il faut un aqueduc. Sinon, ça va pas fonctionner très bien. Alors, on va faire tout de suite un peu de... Hop. Voilà. Ensuite, aqueduc. Donc, tu viens ici. Ici. Voilà, et nous avons de l'eau partout. Et donc ce que je peux faire maintenant, c'est enlever ce puits-là et le remplacer par une fontaine. Et là, à mon avis, le truc va me dire, au fait, t'as plus assez de gens. On est à 2% de chômage. Eh, c'est classe, ça. Eh, 2% de chômage. Vous imaginez 2% de chômage. Ah mais c'est ballot les termes, il va falloir que je les détruise et que je les reconstruise ailleurs en fait. Si je veux pouvoir faire pareil et mettre un truc dans cet endroit là. Alors, et pour le moment on est à la moitié hein, sur la population. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. Je suis assez content de moi. Alors je voudrais revoir mes objectifs de mission. Vos priorités sont la sécurité... 450, ok. 450. Donc il faudrait déjà qu'on monte à 450 personnes. Parce que là, en fait, on a des carrés de... J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5. J'ai fait des carrés de 5 par 5. Je crois que si je fais des carrés de 7 par 7, il y a moyen que je rajoute effectivement des jardins, en fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais le tenter. On va faire des... 1, 2, 3, 4, 5. Non. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. La ville consomme plus de nourriture qu'elle n'en produit. Et bah écoute, on va rajouter un peu... On va refaire une ferme de blé. Et ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre ici. Si je la colle... Non, là, ça va pas le faire. Là non plus. Donc on va la mettre comme ça. Et on va lui mettre une route. Voilà. Et... Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc là ça fait 6 et là ça fait 7. 2, 3, 4, 5. Merci Sébastu. Merci Sébastux. Domum meam et domum tuam. Et donc en fait l'idée c'est que je mets une fontaine au milieu.
Ah, un incendie. Flûte. Il est où l'incendie? Il est où l'incendie? Il est là, l'incendie. Allez, on rajoute une maison. Il y a du monde aussi, au moins, cette maison-là. Zéro employé, pas de main-d'œuvre à proximité. Ok, on va en mettre de la main-d'œuvre à proximité. Alors. Je voudrais déjà mettre une fontaine. Je voudrais la mettre au milieu. Voilà. Et ensuite, si je me rappelle bien, il y avait un truc du genre. Comme ça, comme ça, comme ça. Comme ça. Je crois qu'il fallait que je fasse ça. Et on mettait ensuite genre la préfecture. Domum, c'est un accusatif. Un des deux devrait être un nominatif, Domus, mais du diable, si je sais lequel. Études d'ingénieur. On va la mettre ici, on va mettre un peu de jardin. Jardin, ici. Je pense que c'est pas encore tout à fait ça ce que j'aurais dû faire, mais on va... Je crois qu'en fait, il aurait fallu que je fasse ça. Et que je mette de fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. On va faire 6. Ici. Donc on peut rajouter des maisons là. Et. Il y a un chantier qui est bloqué en bas. Il est vénère à coup sûr. Lui là. Il n'y a plus de place dans la cité pour stocker ses biens. Ah oui. Il n'y a plus de place dans la cité. Alors. On va faire. On va refaire un grenier. On va refaire un grenier. Et ce grenier, on va le mettre. Ah, tiens, j'ai un souci. Ah oui, j'ai une route. Ah, j'ai une route là qui. Hop. Hop, on va remettre un grenier donc. Ici. Voilà. Et on a moyen quand même de tourner la carte. Donc là, ça va me permettre de voir qu'effectivement. Je vais pouvoir, en fait, ma route, on va la mettre comme ça et on va rajouter ensuite un grenier par là. Alors, 7% de chômage. Toi, t'as 10 employés, ok, c'est cool. Et... Eh, on s'approche gentiment, on est à 415 en population. Alors, il est où l'incendie? L'incendie, il est là. Allez, elle produit pas assez de nourriture, la cité? Eh ben, on va rajouter des fermes, allez. Hop. Est-ce que je rajouterai pas tout de suite ici? Ouais, non, on va faire ça comme ça. Et on va rallonger la route. Alors pour le moment, si ça y est, il y a du monde déjà. 10 employés, attention, faible accès à la main-d'œuvre. Oui. Ah, on est quand même à 10% de chômage. 10% de chômage. Et on va peut-être, dans ce cas-là, rajouter un marché. Il est où le marché? Il est là, le marché. Alors, le marché, où est-ce qu'on pourrait le faire? Parce que je voudrais pas... Ah oui, il faut pas que je fasse par là. Euh...
Si je le rajoute ici, ça peut être pas mal. Comme ça, je couvre bien niveau marché. Remarque. Alors, ce que je vais faire, c'est que les termes... Les termes, je vais les mettre ailleurs. Je vais les mettre ici. Et celui-là, on va les supprimer. Et on va commencer à faire un peu notre aqueduc pour voir... Il y a un bâtiment qui s'est effondré, tout à fait. Je vais essayer de me dépêcher de le trouver. Alors, celui-là, il a pris feu. Il est où l'autre hein, qui s'est effondré? Ah, il est là. D'accord, c'est pour ça que je le voyais pas en fait. Allez. Où en étais-je, moi? Ah oui, j'espérais faire ça. Voilà. Et voir, en termes d'eau, pour aller construire un deuxième réservoir. Et a priori, il faudrait que je le fasse idéalement par là. Ça a l'air d'être bon. Allez. Et on va relier ça à un aqueduc. Hop. Et... Ah, zut. J'ai pas fait assez de... Et l'aqueduc. Voilà. Allez. L'aqueduc, c'est fait. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir peupler par ici, là, bien au milieu. On est à 5% de chômage. Les greniers sont pleins, donc on va peut-être se rajouter un grenier. Et on va pouvoir envisager Ah, on peut faire un théâtre et une école de théâtre. Ça peut être une idée. Ça peut être une idée, tiens. Si par exemple je mets ici un théâtre et une école de théâtre. Alors j'ai eu un petit tintin et à mon avis vu qu'on est à moins 8, je crois que le truc il dit voilà. Alors ça c'était les incendies, manque de main d'œuvre. Effectivement. Un point. Ah oui d'accord. Voilà, c'est ça. Alors, c'est où que ça a cramé? Ah, c'est qu'il faut que j'appuie sur le petit... Hop là. C'est la deuxième fois qu'elle crame, cette maison. Toutoutoutoum. Alors... On est à 0% de chômage. On va peut-être pouvoir faire venir des gens. Taxes et industrie. Ben voilà, ça y est, on va pouvoir se faire de l'argent. Ah oui, construire et gérer une cité coûte cher. Bon, bah ben voilà. Et oui, puis les belles demeures rapportent davantage de taxes. Ah, et puis en plus, on va pouvoir faire de quoi vendre. Ça, c'est cool. Donc, allons-y. Je mettrais bien un forum là, tiens. On a 11% de chômage déjà.
Hop. Et on va rajouter, bien entendu, notre étude d'ingénieur ici. Et la préfecture. Non, pas là. Pas là, pas là, pas là. Ici. Et on se rajoute un peu de gens par là. Ah non. Hop, un peu de gens par là. Salut à toi, The Vengeur. Toi, ce soir, tu débugs du kubectl dans GitLab CI. Ah oui, bon courage, The Vengeur. Bon courage. On va attendre d'avoir un petit peu de chômage, quand même. Et on va... Et on va en profiter pour refaire encore des... pour refaire des trucs. Alors, pour refaire... Pour... Hey, on a atteint 500 citoyens. GG à nous. Décidément. Ok, cette maison-là, je vais pas la... Je vais pas la reconstruire tout de suite. Voilà. Hop. Allez, on est à 0% de chômage. L'objectif, c'est 650, si je ne dis pas de bêtises. Hop, voilà. J'ai compris, on n'a pas assez de monde. On va rajouter des... Et... Toujours pas de chômage. Si elle est 2%, allez, on va attendre qu'il y ait un peu plus de chômage. Et on va rajouter. On va rajouter un marché. Le marché, on va le mettre où? Parce qu'on en a un ici. On en a un deuxième là. Ah oui, je voulais en faire un autre. Je vais le mettre ici, je pense. Allez, on va le mettre ici. Et on va refaire une ferme avec du blé. On va la mettre ici. 9 personnes, non, c'est pas suffisant. Il va falloir un petit peu plus de chômage pour que ça vaille le coup. Hop. Désolé, je squeeze un peu là sur ces... Mais qu'est-ce que tu me fais? Tout à l'heure, ça marchait. D'accord. Alors, construire un grenier, je n'ai plus de place. Oui, effectivement. Je vais attendre qu'il y ait un peu plus de chômage pour ça. J'aimerais bien avoir... J'aimerais bien avoir un petit peu plus de chômage pour avoir des gens. Construit des préfectures et bâtiments d'ingénieurs. Ouais, ça peut être une bonne idée. Parce que ça s'effondre un peu quand même. D'ailleurs, je sais pas où est passé le... Effectivement, ça commence à faire 2-3 fois que c'est par ici. On va peut-être rajouter un bâtiment d'ingénieurs et une préfecture.
Ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre peut-être ici. Et l'autre, l'étude d'ingénieur, on va la mettre là. Et pour le moment, je vais faire un jardin ici parce que ça devient un peu le bazar. Et bien entendu, j'ai encore un manque de main-d'œuvre. C'est ça. Je suis à moins 4 personnes pour travailler. Donc, pour le moment... Pour le moment... On pourra peut-être faire un entrepôt. On pourra le mettre là, éventuellement. Mais tant que j'ai pas de chômage... Remarque, je suis en train de me dire... Alors, est-ce que je peux mettre des plazas? C'est une bonne question. Pour le moment... Non, j'ai rien. Par contre, je peux faire des temples, éventuellement. Je peux faire un temple. Mais pour l'instant, j'ai pas encore de plaza, effectivement. Ceci étant, j'ai le forum et j'ai un forum et je peux aussi faire un sénat quelque part. Je serais presque tenté de vouloir le mettre par ici. Et surtout, j'étais en train de me dire ici, les routes, elles sont pas reliées. Voilà. J'ai toujours pas de chômage. Faut que je fasse venir des gens. Je serais tenté de vouloir mettre des maisons par ici, mais ce serait moche quand même. Genre au milieu des fermes. C'est le truc immonde. Je vais rajouter, je pense, des... J'aime pas ça, mais... je pense que je vais mettre des trucs ici. Ah bah, j'ai des gens qui partent, c'est malin. J'ai vu des gens se faire expulser. Tristesse et désespoir. Ah là là. On y croit, hein. On est à 548 personnes. Sur un objectif de 650. Mais j'aimerais bien avoir un peu plus de gens, histoire d'avoir un peu de chômage, pour ensuite avoir des... Ouais, je vais peut-être baisser les impôts. Voire même, je peux augmenter le salaire, en fait. Par défaut, il est à 7. Alors... Taxe de 7%, effectivement. Effectivement. Et on est à 84% de la population qui est redevable de taxes, ce qui est pas trop mal. Oula, on est en perte là depuis quelques années. Bon, on va essayer de... Allez, on va baisser un petit peu. On va mettre 6. Oh, on va carrément 5, allez hop. Je suis... C'est royal. Hey, salut Fixoulab. Bah, bis à toi aussi. Allez les gens, venez dans ma cité s'il vous plaît. On a besoin de gens pour travailler. C'est fou ça quand même. Je serais presque tenté de vouloir augmenter le salaire pour faire venir les gens.
On va augmenter un peu la vitesse, on va voir ce que ça donne. Est-ce que j'ai mis un puits dans les... au niveau des nouvelles habitations? Effectivement, j'ai un peu zappé ça. Je vais peut-être rajouter un puits dans un premier temps ici. Hop. Parce que là, normalement, ces maisons-là, elles sont couvertes par la fontaine. Normalement, la fontaine... Ah, c'est pas garanti qu'elle couvre... Oh. Ce terrain est dans la zone. Si, c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Ah, on pourra y mettre une fontaine ici, mais pour le moment, il est... Étant donné que je suis en sous-effectif, je vais éviter de... Je vais éviter les ennuis. Je suis carrément à moins 6 personnes, là. C'est quoi ce bazar? Mais oui, effectivement, j'ai mis un puits. Comment est-ce que on pourrait essayer d'avoir plus de gens? Je vais peut-être rajouter un peu de jardin. Où est-ce que je pourrais rajouter des jardins? Peut-être par là déjà. Mon forum il est là, hein. Donc à la limite, si je veux en rajouter un autre, il faudra peut-être que je le mette là, mais pour le moment... Mais pour le moment, ça se passe bien. Non, vraiment, il me faut plus de gens, en fait. Si je rajoute un grenier par exemple. Ah, j'ai la place ici, ouais, pour le dernier grenier. Enfin un dernier. Ou pas. Moins 10. Ah ouais, moche. Allez, on va aller. On va aller augmenter les salaires parce que. On va aller augmenter les salaires. Tiens, allez, hop. Et parce que là en plus j'ai des... Alors, si je regarde les conseillers, qu'est-ce qu'ils me racontent? Si je veux finir cette mission, création des habitations NPT. NPT, je... ou comme ça c'est réglé. Je suis pas sûr d'avoir compris. Alors... Je suis considéré comme un dieu. Cool. Les loisirs. Ah tiens, on va peut-être organiser... Ah, n'importe où. Ok. Alors déjà, on va peut-être organiser un festival. Tiens, ça va être sympa, ça. Si on le faisait en l'honneur de Cérès. Et on va faire un... Un grand festival. Parce que, en fait, là, tu vois, j'en ai déjà créé des maisons, donc... Mais à la limite, ce que je peux faire, c'est... C'est faire ça, et remettre des maisons ici. Ok, donc j'ai eu mon, mon festival, c'est cool. Alors les maisons se sont peuplées, mais pour le moment, je suis toujours à moins 9 personnes. Je voudrais bien essayer de rajouter des trucs, des structures par là. Alors, la proximité de cet édifice a un effet négatif, placer des jardins, des statues ou des plazas. Ok, on va rajouter des jardins alors. Ce qu'on peut peut-être faire dans un premier... Ah, mais là, si je mets des trucs... Bon, je sais pas si c'est au bon endroit, mais en attendant... Parce que les plazas, j'y ai toujours pas accès, c'est ça qui m'ennuie. Là, on a les routes.
Là, on a juste les logements, l'hygiène religieuse. C'est les temples. Préfecture, jardin, études d'ingénieur, école. Donc non, pour le moment... Bon, on va rajouter des jardins pour le moment. Hein. Mais les jardins, faut les entretenir aussi, c'est un peu ça qui est triste. Alors... procurent leur nourriture dans la campagne avoisinante, mais pourtant il y a des employés là, il y a un marché. Est-ce qu'il n'y a pas besoin d'entretien pour les jardins? Bon bah tant mieux alors, on pourra en mettre un peu partout. Parce que dans ce cas-là... Voilà, hein. Et je vais même aller plus loin et je vais faire ça. Eh, ça marche en plus, hein. Ça marche. GG Dino, hein. Bon, je suis quand même à moins 21 personnes là maintenant, hein. Va vraiment falloir que je fasse quelque chose. Tu me l'avais dit depuis le début. Ouais, sauf que pour le moment, je suis toujours en rate d'employés, en fait. Salut à toi, Bilouret. Ouais, dommage pour les plazas. J'espère que tu vas bien, Bilouret. Que t'as passé une bonne journée. À moins 27. Attends, c'est quoi cette histoire? Pourtant, on est à 600 personnes. Je suis tenté de vouloir faire un truc. On va faire des jardins encore ici, là. Hop. Et ensuite... On va raser ici. Là, voilà. Et on va rajouter des maisons. Hop. Ah non! D'accord, ok. Ça va, j'ai compris. Oh, et si je fais des plus gros jardins? Ça peut peut-être être plus sympa, non? Allez, hop. Ah, je suis toujours en dessous des 600 personnes, mince. Parce que je tente très bien un truc du genre... je refais une rangée de jardins comme ça. Eh, hey, t'es en train de faire les TP serveur Linux, ça c'est classe ça. Mais n'hésite pas, hein, si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, tu peux demander. Je suis là pour ça. Enfin, je vais pas, comment dire, peut-être pas dans l'immédiat, mais tu peux toujours poser des questions, que ce soit sur GitHub, sur le Discord ou par les réseaux sociaux. Moins 36. Ah ouais, quand même. Là, ça commence à devenir critique, hein. Je suis vraiment en manque de personnel. On organise un festival aussi, mais on va le faire en l'honneur de Neptune. Hop. Et il nous manque quoi comme genre? Production de nourriture, oui. Service des eaux. Ah. C'est ennuyeux. Je veux augmenter les salaires. Hein. Allez.
Ouais, je vais peut-être construire un nouveau quartier, effectivement. Sauf que je me suis un peu fait eu. Hop. On va peut-être le construire par ici, le nouveau quartier, non ? Alors. Je peux faire un 7 par 7 ici. C'est peut-être pas forcément l'idée du siècle. Il vaut peut-être mieux que je le rapproche à ce niveau-là. Donc je vais détruire ici. Non, pas ça. Bon, ça je vais détruire. Mais dans ce cas-là... 7 par 7 comme ça. Près de l'eau, mes aqueducs empêchent les maisons d'évoluer. Ouais. Ah. Bah ouais, mais en fait, les aqueducs, de toute façon, je les ai placés de telle façon que là... ça va être un peu ennuyeux. Attends, que je détruis mes aqueducs? Bah non, je vais pas détruire mes aqueducs, sinon je... sinon j'ai plus d'eau. Si j'ai plus d'eau, ça va pas... Moins 46 personnes, ouais. Je les recule d'un cran. Ah, tu veux que j'enlève le... Tu veux que je les mette plus loin, c'est ça? Parce que lui, de toute façon, je peux pas le mettre plus loin. En tout cas, pas beaucoup. Ah, remarque. Je construis un jardin devant. Oui, ça, c'est possible. Hop. On va faire des jardins ici. Et à la limite, je peux aussi encore mettre des jardins... en haut. Ah, là, en haut. Je peux aussi en mettre par là, hein, non ? Ouais, mais j'ai rajouté des... Mais oui, il va falloir effectivement que je construise un nouveau quartier. Et alors, le nouveau quartier, je vais devoir le mettre pas loin d'un aqueduc, en fait. Ça va être... Alors, la question, c'est où est-ce que je le mets? Parce que si je le mets là, ça va peut-être être un peu loin de tout. Je pense vraiment que je dois le mettre là. Il va falloir que je réorganise par ici un petit peu. En gros... On va essayer de faire ça, comme ça, avec une rangée de jardin ici, pour planquer la vue sur le... sur ça. Et ce que je vais faire, c'est... On va rajouter un jardin ici. Et on va faire
une rangée de maisons. Et on va mettre un puits, bien entendu. Et le puits, on va le mettre... on va le mettre là. Actuellement, on va mettre tout de suite ça ici. On va rajouter des maisons là. Ah oui, c'est vrai que oui, c'est mieux près. Ouais, mais alors, j'ai toujours moins 64 personnes. La fontaine, ça va faire plus de trucs à gérer. Mais je suis en train de me rapprocher des 650. Hein. Dès que j'atteins les 650, normalement, on est bon là. Il n'y a personne qui veut venir, ma parole, hein. Je suis en train de me dire, je vais peut-être finir par... par craquer et quand même construire un réservoir, un grenier ou parce que j'ai un marché ici, j'ai un marché là, j'ai un autre marché ici. On s'approche gentiment des 650, je suis à 628. Mais dites donc. Je vais aller regarder un peu comment ça se passe au niveau de la population. Alors, culture. Ouais, bon, ça, c'est. Il n'y a rien. Mais ce que je voulais, c'était là. Voilà, la population. Ouais, c'est ça. On est monté. On a. Ah, ça continue tranquillement. Tranquillement, mais personne ne veut vivre dans ma cité. Dans l'ensemble, les gens quittent. Ok, ça va, j'ai compris. Ma cité n'est pas accueillante. Je vais refaire un festival. Je crois que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Allez, organise un festival. Hop. Et... qu'est-ce qu'on peut ajouter? Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Allez, on va en refaire un. Ouais, non, un mois, c'est peut-être un peu abusé. Ouais, je commence à faire du commerce, mais... pas de commerce. Alors attends, voilà la carte de l'Empire. Là, je peux pas encore faire de commerce là, non? Non, je peux pas encore faire de commerce. Je suis vraiment au début du jeu. Fichtre. L'entrepôt.
Je suis à 630. Allez, il reste encore 20 personnes. Sauf qu'en fait, il m'en faut 94. Alors, normalement, si j'atteins 650 personnes, on va se retrouver avec... avec un peu de... comment dire, on risque de passer au niveau suivant. Mais si j'arrive à le faire rapidement, je pense que je vais continuer un peu ce niveau-là. Pour le principe. Oui, j'ai droit au théâtre et aux écoles. J'ai déjà fait théâtre et école de théâtre. Je peux peut-être rajouter une école, effectivement. Attends, l'école, elle est où? Elle est là, école. Donc je peux créer une école, mais après... où est-ce que je pourrais la mettre? Alors, remarque, si je la mets là, il y a peut-être moyen. Et les statues aussi. Je vais mettre une école, mais bon, la cité manque de main-d'œuvre et les statues. Non, là c'est les temples. Forum et Sénat, donc non. C'est avec le S jardin. Bah pourtant les jardins, il y en a plusieurs, hein. Ah là là. Moins 127 personnes. Décidément. Faut que j'arrête là. Je vais refaire tout de suite un autre festival parce que ça va faire trop longtemps. Ah bah oui d'accord, il n'y a plus de stockage parce que il n'y a plus personne. Ouais, je suis très mauvais maire en fait. C'est dingue, hein, je suis mauvais à ce jeu mais je l'aime bien. Je pense pas que les festivals ça va rendre la ville accueillante. Dommage. Qu'est-ce qu'on pourrait. Alors. Allez hop, on va. Salaire de fonctionnaire. Allez, je vais. Économie 720. Ah oui, ça commence à devenir un peu. Les trucs pour les divertir. Ouais, effectivement. C'est pour ça que je fais des festivals. Mais pour le moment. Pourtant, le théâtre, ça va, il divertit 500 personnes. Hein, donc, il couvre bien la cité. Ah, je suis descendu à 625. 3% les impôts? Allez, soyons fous. Et je baisse les salaires aussi? Oh.
Ici, hop. Allez, on va laisser à 33. Ah, mon salaire, bah dans ce cas-là, je vais le passer à 0, mon salaire. Hop, allez. Alors, voyons voir ce que ça donne cette fois-ci. Est-ce que par hasard, on pourrait pas tenter si je rajoute d'autres maisons. Ouais, bah non, de toute façon, j'ai rajouté des panneaux ici. Enfin, il y a des panneaux, il n'y a personne. C'était pourtant dingue, hein. J'avais augmenté les salaires, j'avais déjà baissé les impôts. Et pourtant, il y a du divertissement. J'ai jamais vu autant de bâtiments manquer d'employés. Cette cité a désespérément besoin de main-d'œuvre. Pas de crime à signaler dans ce quartier. Bah ouais, mais... Allez, on va refaire un festival. 10 mois, ouais, c'est... Combien il y a de personnes? On est à 625 personnes. Donc il me manque 25 personnes pour finir le... le niveau. C'est assez fou, ça, quand même. Là, j'en suis à un point où, à la limite, hop... Cette cité a désespérément pas de crime à signer. Faut embaucher des malfrats. Embaucher des malfrats. Ah là là. Bah en fait non, parce qu'il y a déjà 139 postes à pourvoir dans ma ville. Et si j'interroge les gens... Ah zut. Alors, on va baisser un peu la vitesse. J'ai faim. J'envisage sérieusement de quitter cette cité si on ne peut rien... Pas de crime à signaler dans ce quartier. Les gens qui viennent au terme ont si peu à manger qu'on voit leur côte. Ah. Bah oui, mais alors... Si je rajoute un marché... Le truc, c'est qu'il y en a un là. Il y en a... Un là. Alors, comment est-ce qu'on peut voir la couverture pour les marchés? Au risque, non. Hygiène. Commerce. Nourriture. Alors. Nils, fais-moi confiance. Crée des maisons près des fermes. Bah, j'ai déjà créé des maisons près des fermes, mais il n'y a personne. Il n'y a personne qui se qui vient y habiter. Il se procure la nourriture. Mais pourtant, le marché est à côté. C'est fou, ça. Là, il y a des panneaux. Il y a des maisons qui demandent qu'à être habitées. Puis là, j'en ai créé pas très loin, justement. C'est qu'il manque des commerçants, ouais. Écoute, ça, c'est vide, à la limite. Vu que c'est vide, je l'enlève et puis je mets un marché à la place, hein. Remarque, je peux peut-être en mettre un ici, à la place, en fait. Puis éventuellement, je t'en remets un...
Hop, je t'en remets un là. Ave à toi, Haribo. Bonne fin de soirée. Oui, effectivement, on va peut-être privilégier la nourriture sur les métiers. Hop, workforce, production de nourriture, niveau 1. Hop, là. Il va peut-être falloir faire les commerces. Il y a les commerces là-dessus. Industrie et commerce. Requis 31, activité 0. Bah, on va devoir faire niveau priorité 2. Hein. Sauf qu'après, tout le reste passe à 0 en fait. Les greniers ne tournent pas, les marchés ne sont pas approvisionnés. Donc je peux peut-être enlever la production de nourriture, enlever la priorité. Pourtant, il y a des trucs, hein. J'ai faim. J'envisage sérieusement de quitter okay, cette ça, cité j'ai compris. Si on ne peut rien y trouver à manger. Requis en activité. Les charretiers remplissent les greniers. Ouais, les charretiers remplissent les greniers, sauf qu'en fait... Ah, donc j'enlève la priorité ici. Ouais, il y a des gens. Mais là, on est... ...620... ...762... ...740... ...792... ...640... Il y a des trucs, hein. Et si je regarde... nourriture. Donc tu vois, c'est fou, le marché. Le marché, il est là, et ces deux maisons, elles se procurent la nourriture dans la campagne avoisinante. Elles aussi. C'est quoi cette blague? N'a pas de mal à obtenir la nourriture dont elle a besoin, ok. Dans la campagne. Et tu vois, cache dès que... Mais c'est fou, ça. Faudrait que je... Mais pourtant, c'est... J'ai un peu du mal à saisir le jeu, là. Ah là là! Quel... C'est les deux jardins que j'ai construits. Je suis pas sûr de saisir. Parce qu'en plus, ma population a baissé. J'agrandis la route. Quelle route? Celle-là, là? Non, pas celle-là. Il n'y a pas moyen de l'agrandir. Près de mon grenier, à droite le premier. Cette route-là, là ? Bah attends. Parce que là, j'ai mis des jardins. Mets-toi en mode analyse. L'analyse de quoi ? Alors. Tu veux les rapports peut-être? Parce que les rapports sur la main d'œuvre.
T'as repéré un truc. T'as repéré quoi? Raconte. Salut à toi, Tico 13. Bienvenue. Parce que à la rigueur, là, il y a un jardin. Je vais pas mettre des maisons à la place, quand même. Alors, oui, Tico 13, il tourne toujours sous Windows, mais là, en l'occurrence, je le fais tourner sous Linux. Alors, le menu où j'ai vu que les gens manquaient de nourriture. Hop, alors. Hygiène, commerce, nourriture. Voilà, il est là. Et donc, là, on a quoi? On a... Cette maison n'a pas de mal à obtenir. Alors, campagne avoisinante. Pourtant, elle est en face de la... C'est fou ça. Oui, on aurait remarqué à la limite c'est celles qui sont le plus au milieu. Donc ça, à la limite que celles qui soient au milieu, je veux bien comprendre. Mais je vais quand même pas détruire les... Alors, même pas Tico 13. En fait, il existe une réimplémentation du jeu sous qui est multiplateforme et qui s'appelle Julius. Alors, où est-ce que ça a sauté? Alors. Je vois même pas où est-ce que ça... Elle est où la maison cramée? Ah, elle est là. Voilà. Tiens, hop. Si jamais tu veux voir ça, Tico 13... Alors bien entendu, il faut acheter le jeu, il faut avoir le jeu d'origine, mais ça tombe bien, il est là. Hop, je te refile le lien. Hop. Et tu peux y jouer sous Windows, sous Mac, et même sous d'autres plateformes, visiblement. Alors... Où en étais-je, moi? On essayait de regarder cette histoire de commerce et de nourriture. Tiens, il y a un truc à trait aussi. Secteur très convoité. Ok. Ah, faudra peut-être que je crée des maisons ici, alors. Parce que là, le secteur... Aucun des citoyens ne veut vivre par ici. Ah. Ok. Donc en fait, hein, si je fais ça... Ah mince. Pourtant... Alors attends. Si je reviens... Parce que là j'ai enlevé les jardins.
La marchande ne passe pas. Ah! Attends, il y aurait des gens, il y aurait des endroits bloqués où j'ai mis des jardins. Alors attends, si je reprends la carte. Ouais. Non, attends. Parce que là, au niveau... Si je reviens comme ça... Décidément. Bon, cet endroit-là, ça passe pas très bien. Parce que là, je serais presque tenté de mettre des jardins pour rendre le truc un peu plus attrayant. Mais là, normalement, il n'y a personne qui va... Ouais, non. Toujours pas. Allonge la route, mais tu veux que je l'allonge où, la route? C'est ça qui me chiffonne, en fait. J'arrive pas à comprendre où tu veux que je l'allonge. C'est fou, ça. Aucun de mes citoyens ne veut vivre ici. Bah ouais, ça je me doute. Mais en fait, les zones qui sont très convoitées, en fait, mais je peux mettre personne à cet endroit-là. Ah, ou alors je crée carrément une route, une autre deuxième route là, et puis je mets des gens. Je vais tenter ça, tiens. Allez. Je fais genre une route là. Et on va essayer de mettre 2-3. Voilà, là maintenant c'est très ce coin-là est censé être très convoité. On va avoir des gens qui vont venir s'installer, non ? Les fermes et les greniers n'attirent pas les gens. Ouais. Alors je peux éventuellement supprimer un grenier où il n'y a plus personne. De toute façon. Voilà. Et puis à la place je mets un jardin. Hop. Ah bah parfait, les grands esprits se rencontrent. On va voir, oui c'est ça. Voyons voir. Alors pour le moment, ça m'a fait baisser un petit peu le besoin en main d'œuvre. Ça a l'air d'avoir amélioré un petit peu le coin. Là, les routes sont un peu plus. Je vais baisser un petit peu le son. Hop là. Oui, la population est repassée au-dessus de 600. Mais là, par contre, le coin est censé être super attrayant et j'ai personne qui vient y vivre. Je serais presque tenté ici de vouloir supprimer une route et de mettre des jardins à la place. Mais ce serait dangereux. Parce qu'en fait, toutes les maisons qui sont là, elles ont besoin d'une route, donc... Il faut rapidement trouver un moyen de nourrir les citoyens, sinon il ne restera plus personne pour payer des taxes. Bah oui, je veux bien, mais... Non, c'est où que ça... Ah oui, ça a cramé là, d'accord, allez hop.
n'y a personne ici pour réceptionner ces biens. Apparemment, il manque de personnel. Auriez-vous un peu de pain? Je n'ai pas mangé depuis des jours. Ok. Ok, là, je vous avoue, je commence vraiment à me demander qu'est-ce qui va m'arriver. Oui, mon problème, c'est la nourriture. Alors, mon problème, c'est la nourriture, sauf que si je regarde sur la main-d'œuvre et que je mets cette fois-ci la production de nourriture en priorité 1. Alors, voyons voir ça. Bah, il y a des gens qui s'en vont. Voilà, ça y est. Ah, ça y est, mince. Voilà, je suis en train de perdre plein de gens, là. Et voilà, je suis à 570 personnes. Ah, mais il y a des gens qui sont venus s'installer, là. Ah, il y a des gens qui sont venus s'installer à côté, ici. C'est cool, ça. Et elle a besoin d'un marché avoisinant. Bah, attends, un marché, on va te le faire. Si on te le met là, le marché. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui. Ici. Allez, tout est en train de s'effondrer. Ah, c'est... C'est à l'heure où je me dis, il va falloir que j'arrête mon stream. Oui, ma ville part en couille, là. C'est fini. Je... C'est chaud. Ouais, c'est chaud. Je sais pas comment j'ai fait pour en arriver là, mais... Pourtant, je suis en mode ultra facile. J'ai rien compris. Ça y est, je passe à 400 personnes. Ah, il y a plein de colons qui arrivent pourtant. Ah oui, c'est ce que je suis en train de faire, hein, d'enlever les gravats. Je fais que ça. Hop. Qu'est-ce qui s'est effondré d'autre? Ah, qu'est-ce qu'on... Ah bah d'accord, là. Ah, il y a tout qui se casse la figure. Hop. Ceci étant, comme ça, au moins, il n'y a plus de chômage. Mais on revient à 600 personnes, là, presque bientôt, hein. 594. Ouais, j'avais mis la nourriture en priorité. Donc, on va remettre les préfectures en 1. Voilà. Ah, préfecture et ingénieur. Hop là. Préfecture et ingénieur, ils sont où? Préfecture, service des eaux, militaires, loisirs, administration, région, technologie. C'est technologie les ingénieurs, non? Oh, ça va, il n'y en a pas beaucoup qui manquent. Alors, bon, on va devoir recréer une ferme bientôt, je pense. Parce que là, ça va... Non, il y en a une là. Et on a encore une ruine là. Il manque 30 personnes. Oh, même 22 là maintenant. Qu'est-ce qui s'est encore... Ah bah oui. Je vais même pas essayer de refaire un truc ici pour le moment. Voilà. Je serais même tenté de couper la route histoire d'éviter que les gens se baladent.
Allez, hop, hop, voilà. Allez, 614. On va faire... Ah, il est déjà 22h05. C'est que ça va être l'heure, les amis. Ça va être l'heure. Ça va être l'heure. Ça m'embête, on est près du but, là. Il y a eu un grand ménage. Et puis on y est presque. Alors déjà, je vais sauvegarder. Hop, sauvegarder. Et ensuite... couper la route. Ah non, je la coupe pas. Je la coupe pas, la route qui va à Rome. Parce que si je coupe la route qui va à Rome, je crois que j'ai des... je vais perdre, non? Ça va empêcher les gens de venir, non? Non? Là, je coupe d'un côté, je coupe de l'autre. Je l'ai jamais fait. J'ai jamais osé, ça, couper la route qui va à Rome. Tiens, là, j'ai encore cramé un truc. Là, c'est... Ah, bah, avant, c'était un marché, ça. C'est si je construis un bâtiment devant. Ah. Eh bah, écoute. Voyons voir ça, hein. Tiens, il y a encore une... Hop. Le jeu le détruit automatiquement. Ah, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'il y a des ruines encore qui traînent? Non. Eh, on est à 641 personnes, on est à moins 12. Ça commence à revenir. Ouais, non, c'est bon. Ah, remarque, je peux faire. Hein. Allez hop, une maison. Route bloquée, les ingénieurs de Rome ont été contraints de détruire... Ah bah oui, effectivement. Oh punaise, mais ils m'ont démoli les... Ah bah attends, je veux surtout pas. Alors, fichier. Charger. Et on va reprendre le stream. Voilà. Voilà. Allez. Hop. Ici, je coupe. Ici, je coupe. Ah mais en fait, c'est qu'ils ont carrément coupé les... ils ont coupé les aqueducs, en fait. Enfin, ils ont détruit les aqueducs, ce qui est quand même assez... enfin, voilà, il y avait juste une petite maison à dézinguer et... C'est assez fou. C'est assez fou. Près du réservoir. Alors, tac, 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 tac. Là, c'est bon. Il n'y a plus de ruines. Il n'y a plus de ruines nulle part. On est à 614. Moins 20. Ah oui, là. Alors, est-ce qu'on rajouterait pas une ici? Je rajouterais bien des jardins, en fait. En haut, enlever la route, ça évitera aux ingénieurs de marcher inutilement. Ah, cette route-là ? Bah, le truc, c'est que si j'enlève la route... Alors, si j'enlève la route, j'enlève l'accès au... Je peux enlever celle-ci. Et je peux relever celle-là. Ok. Tiens, il y a encore un truc ici à enlever. Voilà. Tiens, on peut même faire ça. Eh ben c'est très bien, on va pas reconstruire une maison ici. Eh hey, 636, allez, on y croit. On y croit. Allez, soyons fous. On a juste besoin de 24 personnes pour atteindre la mission. Et on a besoin de 15 personnes... pour être pile poil à l'équilibre au niveau de l'emploi.
C'est fou ça. D'habitude, dans pas mal de trucs, il y a des problèmes de chômage. Et là, moi, c'est pas un problème de chômage, c'est le contraire. Allez, on va essayer de rendre... est-ce qu'il y a des endroits où il faudrait rendre les trucs plus attrayants? Voilà. Aucun de vos citoyens veut vivre ici. Ouais. Là, c'est convoité. Ah bah parfait. Parce qu'ici, hop. Alors, est-ce que par ici, c'est attrayant? Très convoité. Ah, aucun de citoyens. D'accord. Donc ici, effectivement, il n'y avait plus rien. Mais là, par contre, ce truc-là, faut peut-être que je mette une... genre, juste ici, en fait. Et éventuellement, là, là et là. Même si ça aurait été pas mal que je laisse un espace pour ouais, parce qu'il manque un peu du... ouais, bon, allez. J'aimerais bien avoir un petit peu plus de monde pour faire tourner des... bon, peut-être que je mette un puits pas loin. Dans un premier temps. On manque vraiment d'employés dans cette cité. Cette cité est en train de dépérir par manque de main-d'œuvre. Oh, ça a été pire. Ah, et ben voilà. Alors qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu les 650 parce que là je le vois pas, je suis encore à 630 pour lui. Eh bien voilà, César m'a promu, je suis ingénieur. Bah ce fut laborieux, hein, brave Jean. Ce fut laborieux, mais ce fut amusant. C'est ça, enfin. Enfin, enfin. Allez. Hop, on va revenir comme ça. Merci, merci à toi Dino, merci pour ton aide. Ah, ça m'a bien changé les idées, je sais pas vous, mais de temps en temps, varier un petit peu les plaisirs. Alors je sais que vous étiez un peu moins nombreux ce soir, mais de temps en temps c'est pas mal aussi d'être un petit peu plus, on va dire, intime. Oui, effectivement, je vais accepter la promotion, il va vouloir lancer le bignou tout de suite. Vous apprenez vite. Alors, ah oui, alors attendez, on va repasser tout de suite sur le truc, juste le temps de... hop, là, voilà, donc il me propose tout de suite la troisième mission. On a le choix. Une province un peu agitée. Une province paisible. Alors ce que je vais faire, c'est ça. Et on va faire rejoindre la cité et on va sauver tout de suite. Sauvegarder. Stream. Voilà. Et on va quitter. Allez, on quitte l'Empire. Hop. Et on revient ici. Ah, les guerriers, pourquoi les guerriers? Qu'est-ce qui te... Je t'avoue que j'ai jamais été trop province guerrière, mais on pourra toujours essayer de refaire après. Tu fais des guerres. Ouais, mais bizarrement, tu vois, je suis pas très tempérament. En fait, je trouve que déjà le commerce c'est assez chaud à gérer, et si en plus faut se rajouter les guerres derrière, tu vois, déjà j'ai envie de maîtriser le commerce. Je pense que maîtriser le commerce c'est pas mal dans un premier temps. Ça a un petit côté, j'ai envie de dire, enrichissant. Bref, avec les guerriers, oui, avec les guerriers, je fais les deux, mais justement, c'est que l'un après l'autre, en fait. De toute façon, je crois qu'il y a un moment où t'as plus trop le choix, t'es obligé de passer dans une province un peu guerrière. Bien, 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 tu vends des armes. Ouais, mais justement, quand t'es dans une province commerciale, tu peux vendre des armes. Alors, la question que je me pose avant qu'on s'arrête, c'est est-ce que... ah tiens, il y a Virtual Labs qui est dans le coin. On va pouvoir aller lui faire un petit coucou. Bah ça m'a fait super plaisir de changer un petit peu de registre. Alors, est-ce qu'on fera la même dimanche? Je sais pas, on verra bien. En tout cas, merci de m'avoir suivi. Bah, ah oui, désolé Adrien, ouais, on s'arrête parce que, en fait, j'aurais bien continué un peu plus, mais en fait, j'ai des trucs à faire demain assez tôt, donc je préfère déco. Là déjà, j'ai rajouté. Dimanche, il y a le match. Ah, faudra voir à quelle heure il est le match, pour pas que je le fasse en même temps, ou alors,
Ça, perso, moi, j'ai pas envie de... Je vais pas le regarder, le match. Donc, bref, c'est pas dramatique. 16h ? Non, mais ça va, je stream après. Habituellement, les streams, c'est le jeudi à 20h, de 20h à 22h, et le dimanche de 18 à 20. Donc, la raison pour laquelle je streamerais peut-être plus tôt, si jamais je devais streamer plus tôt le dimanche, ce serait pour faire un truc un petit peu plus conséquent. Parce que ça fait un petit moment, par exemple, que je veux faire l'upgrade du Home Lab, je sais pas si je peux le faire en 2h. Mais bon. Mais bref. Je sais pas si je vais refaire un César 3 dimanche. Je vais y réfléchir. Mais ça m'a bien plu. Et il reste encore la question du stream d'anniversaire qui aura donc lieu normalement le 1er janvier, si tout se passe bien, si je suis en état. Mais voilà. Est-ce que j'avais fini les tutos serveur Linux Web ? Alors, il y a... je crois que les derniers sont uploadés sur YouTube, mais j'ai pas encore fini les... j'ai pas encore fini de faire les descriptions. Donc je crois qu'il reste deux tutos à publier. Mais à part ça, c'est plutôt pas mal. Donc tu peux avancer, tu peux aller jusqu'au bout. 12 heures de stream. Ouais, non, 12 heures de stream, c'est peut-être un peu abusé. Donc si jamais vous avez envie de voir ce que je fais habituellement, c'est-à-dire pas du César 3, généralement c'est les jeudis et les dimanches. En fait, le dimanche prochain, ce sera le dernier stream de l'année. Puisqu'après, direction les vacances, entre guillemets. En dehors de ça, si jamais vous voulez qu'on se retrouve, y a toujours le Discord qui est là-dessous. Et puis les autres réseaux sociaux, vous avez notamment Twitter, Mastodon, Instagram. Alors tu l'as fait les 12 heures de stream ? Ah punaise Adrien, t'as fait 12 heures de stream dans une journée ? T'étais tout seul à la maison, la logistique des repas devait être gênée. Gérée à la perfection ? Ah ouais, tu m'étonnes. Ah ouais. C'est vrai que faire un petit truc, genre un petit marathon de stream, ça, j'avoue que ce serait marrant. Mais effectivement, il faudrait que je prévoie ça un petit peu plus à l'avance. Ça nécessiterait un petit peu d'organisation. Oui, oui, Dino, c'est bien le Adrien de Linux Trix qui nous fait l'honneur de sa présence. D'habitude, je le raid les dimanches soirs et puis... Et puis là, il est passé nous voir. Non, non, ce n'est pas une blague, Dino. Ce n'est pas une blague. Voilà, tu fais que de la musique. Mais c'est bien, comme ça, tu varies un peu les plaisirs. Bien, on va aller faire un petit coucou à Virtual Labs. Moi, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Et puis, vous connaissez la chanson. Hein, je vais mettre le rideau sur l'image, mais on va lancer le raid. Allez. Ciao, ciao, à bientôt.